Si c'est le suicide collectif qui vous intéresse, vous pouvez très bien faire ça chez nous. Pas besoin de traverser le pays. C'est le roi d'Orcany quand même. C'est pas Jôle Clodo. C'est un gros dragon, un petit dragon? On ne l'a pas vu, mon oncle. De toute façon, il est même pas là, alors... Et ça, c'est un facochère? Sauver la vie, peut-être pas. Bah, disons qu'on s'est débrouillé pour vous éviter le pire. Le pire? Ah, celle-là, tout de même, je sais pas si je l'aurais tenté. Oui? Alors moi, je pourrais vous dire que si on cueille pas les cerises quand elles sont sur l'arbre, on fera Tintin pour le clafoutis. Ah ça, pour un chevalier pointilleux sur le physique comme vous. Pointilleux sur le physique? Vous avez toujours les cheveux propres. Je sais où il est. Mais c'est pas votre allié? Oh, mon allié! Oh, j'en étais sûr. Bah, c'est pas notre allié. Mais taisez-vous, mon pauvre ami. Vous êtes toujours désespérément là où on vous attend. Par exemple, tout le royaume pense que vous êtes un con. Oui. Et quand vous ouvrez la bouche, vous ne faites que confirmer que vous en êtes un. Vous n'avez pas le sens du coup de théâtre. Si, il y a l'autre, là. Lequel? Celui avec une tête de con, toujours en train de bouffer. Bah non, je suis là, moi. Je suis pas mort au combat. Non, mais encore un autre. Non, mais moi non plus, j'ai rien compris. Vous nous prenez pour des clodos? Mais qu'est-ce que vous voulez, alors? Renégat. Préférez trop du cul? Moi non, du coup, renégat. Qu'est-ce qui se passe, le coffre est piégé? Ah! Une écharde, mon oncle! Je suis pas des masses, en fait. C'est la tournure. Non, c'est la phrase. Mais je suis orcanien, moi, et ce que vous appelez l'ennemi, moi j'appelle ça le roi Lot, et je suis un peu censé faire ce qu'il me demande. Oh, ça y est, ça se tire dans les pattes. Dans 5 minutes, je ramasse tout sur la gueule. Et retournez glander à Camelot. Ah, mais attendez. Quand vous êtes venu avec Lot, il vous a pas laissé essayer, c'est ça? Comme vous êtes sa petite gonzesse personnelle, vous avez pas le droit. Il veut un coup de tête dans le pif de la part de la petite gonzesse personnelle, ou il a ce qu'il faut? Ça y est! Je crois que c'est avec ça que le pauvre malheureux a pris son dernier repas. Le clan séparatiste, c'est moi. Et d'une manière générale, j'ai un lien plus ou moins direct avec tout ce qui se manigance de Vislard en Bretagne depuis ces 30 dernières années. Ça, tout le monde le sait. Ce qu'on sait moins, en revanche, c'est la raison qui me pousse à faire tout ça. Oui, je vous écoute. Qu'est-ce qui vous pousse à faire tout ça? L'amour. C'est possible d'avoir un peu de silence? Oh, le lèche-pompe! On vous dérange, Apollon? C'est votre casque qui vous gêne? Apollon, il va se lever, vous le mettre dans le pif, son casque! J'aimerais bien voir ça! Demandez où était Lancelot, je veux qu'on me réponde. Ah, mais vous êtes encore là-dessus? Ah, excusez-moi, mais je pensais que ça vous était sorti de la tête. Seigneur Ivan, je suis fort aise de vous trouver. Ah, mais moi, trop pareil. Femme, on peut dire qu'une bonne partie du monde breton est passée dessus. Eh ben, je prends sur moi. Je sais que je passe pour le roi des pignoufs aux yeux de beaucoup. J'essaye de bien le vivre et de voir de l'avant. Gauvin, auriez-vous l'obligeance de vous retirer un moment, je vous prie? Pardon? Foutez le camp. Ah oui, mon oncle. Permettez-moi de vous dire, le coup du mystérieux chevalier gaulois solitaire à la rescousse de l'opprimé, ça fait vraiment bidon comme légende. Ça vous agace, ça, hein? Qu'est-ce qu'il y a? Regardez ce que j'arrive à faire, mon oncle! Qu'est-ce que c'est que ça? Je cligne de l'œil, mon oncle! Rendez-vous compte, hier encore, j'en étais incapable! Mais attendez, moi je peux pas être tenu pour responsable de mes actes. Pardon? Bah, ça a été assez évoqué. Il paraît que je comprends rien à rien et que je fais que suivre. Moi je vous ai expliqué, c'est ma femme qui me pousse aux méfaits. Si on veut rester logique, je suis pas tellement responsable non plus. C'est pas pour la ramener, mais moi j'ai fait que suivre les ordres de mon roi. Si on veut vraiment parler responsabilité... Bah alors, demain, moi j'ai plus rien. Hein. Si, il y en a qui pourraient se faire des sous en montant un petit stand sur la place du marché. Ce qu'il veut dire, c'est que l'apparence peut être trompeuse. Mmh. Ah non? Orcany, indépendante! Oh le con, il est de chez moi!